Voilà, bonsoir à tous et merci de nous retrouver sur 15 médias pour ce 16e numéro d'Afrique Culture. Ce soir, nous parlerons des événements qui auront lieu sur le continent africain, également des événements qui vont se dérouler ici aux États-Unis. On va bien sûr mettre le cap sur le Mali pour parler du festival Dogon 2019 qui vient de s'achever. On parlera également de Fomaric 2019 qui se prépare du côté du Cameroun, FESPACO 2019 au Burkina Faso. L'événement est en pleine préparation. On aura l'occasion d'en parler dans ce numéro d'Afrique Culture sur 15 médias. Et puis, on va faire un tour du côté de la France pour parler du festival CEFA avec des acteurs qui sont déjà prêts pour déclencher les hostilités. Plusieurs comédiens ivoiriens seront donc présents à ce festival CEFA du côté de la France dont une tournée est prévue pour leur permettre bien évidemment de faire rire le public à travers bien évidemment ce qu'ils savent faire en matière de comédie. Voilà donc pour l'essentiel, mais on va retenir que sur ce plateau nous aurons une invitée spéciale qui viendra nous parler d'un événement qui se prépare activement. Il s'agit de la première édition de l'événement baptisé de Lady Night, ce sera bien sûr le 9 mars prochain. Il s'agit bien de Claire Tienche, qui est notre invitée spéciale dans le cadre de ce numéro d'Afrique Culture sur Cambridge Media. Merci de vous installer confortablement et merci de nous regarder. À tout de suite pour les détails. Voilà, nous allons ouvrir ce numéro d'Afrique Culture par le festival Dogon 2019 qui s'est déroulé en terre malienne. C'était bien évidemment du 21 au 27 janvier dernier. Ce festival a donc mobilisé de nombreux acteurs de la culture malienne. Objectif, promouvoir cette culture Dogon au sein de la civilisation malienne. On va donc préciser que de nombreux artistes issus de diverses classes culturelles du Mali ont répondu présents à ce grand rendez-vous culturel. Exposition des richesses culturelles malienne et bien d'autres ont fait la fierté des visiteurs qui ont bien évidemment eu satisfaction au cours de cet événement. On va donc préciser que beaucoup de spectacles ont eu lieu pour bien évidemment donner notre coloration à ce festival Dogon qui était cette année à sa 4e édition. Alors on va donc découvrir à présent sur ce plateau de Kems Media le festival Dogon à travers quelques réactions que nous avons pu recueillir au cours de cet événement. Une réaction que nous propose nos confrères de 360afrique.com. Ogobanya, en langue d'Ogon, ça veut dire le Ogo. Le Ogo, ça veut dire le roi. Et le Banya, c'est l'œil, la tasse à manger. Donc, Ogobanya, en langue d'Ogon, ça veut dire l'œil du roi. Mais l'esprit derrière, c'est qu'on appelle la joie, la fête, la prospérité, l'abondance, qui est un souhait que nous avons pour ce peuple malien. Raison pour laquelle le nom de cet esprit a été donné à ce festival. Le ton est donné par un artiste du terroir qui est à Bokar, qui est connu par tout le terroir Dogon. Donc écoutez les rythmiques, donc ça nous lance dans le fin fond du pays Dogon. Ce festival est pour moi un retour à la source. C'est pour moi une manière de venir dire merci à mes parents parce que grâce à eux, je découvre chaque année la dimension culturelle du Dogon que je suis. Voilà, parlons maintenant de Fomaric 2019. La fête ira donc du 6 février au 10 mars 2019 au lieu dit Kamtel Bépana, c'est au Cameroun, à Douala précisément, la capitale économique. Exposition, vente, spectacle et bien d'autres articulations vont meubler cette édition 2019 du festival Fomaric. Fomaric en est donc, sera donc cette année à sa 26e édition. Précisons que la rentrée culturelle de Fomaric a eu lieu tout récemment à Douala-Bercy, capitale économique du Cameroun, dans une belle ambiance sous la houlette, sous le regard de Fritz Ntonet-Tonet, délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Regardons plutôt les moments forts de cette rentrée culturelle de Fomaric du côté du Cameroun. La communauté urbaine de Douala continuera à accompagner le festival Fomaric et faire de ce rendez-vous un rendez-vous annuel de plus en plus intéressant, de plus en plus attractif et de plus en plus bénéfique pour nos populations.
il y a un parrain. Il semble que le parrain de 25 plus 1 est dans la salle. Ce n'est pas à moi de le présenter, mais s'il y en a un, je sais qu'il y en a un, il est dans la salle. Qu'il reçoive par ma voix et par la voix de toute la ville nos félicitations pour cette distinction. Parlons maintenant d'un autre événement culturel qui va se dérouler cette fois-ci en Belgique, mais l'événement est purement africain. Il s'agit bien sûr de Afropolitain Festival 2019. L'événement aura lieu du 8 au 10 février 2019 à Bruxelles. Et il faut noter que la richesse culturelle africaine sera présentée à l'occasion au public qui viendra certainement découvrir les merveilles de la musique africaine, du cinéma africain, de la comédie africaine, de la mode et bien évidemment de la littérature. Au menu de cet événement également, concerts de musique, conférences, débats et de nombreux ateliers prévus pour la circonstance. Regardons donc le teaser qui nous donne des éléments édifiants autour de cette édition du festival baptisé Afropolitain Festival 2019 du côté de la Belgique. Notre tour du côté du Cameroun pour parler d'un autre événement culturel, cette fois-ci dans la région de l'Ouest. Il s'agit du festival Nyan Nyan qui en sera cette année à sa 456e édition. Il faut donc préciser que la clôture de cet événement aura lieu le 24 février 2019 à Bafoussam et ceci sous le regard de Sa Majesté Dita Ngompé Pélé qui est donc le roi des Bafoussam. Précisons que l'événement a démarré le 11 novembre 2018 et c'est un événement qui va donc durer 3 mois et chaque semaine la ville de Bafoussam connaît une effervescence liée à ce festival Nyan Nyan. On va donc préciser que le festival Nyan Nyan culturellement parlant est donc très riche et est donc très très couru du côté de Bafoussam à l'ouest Cameroun. Allez, nous vous recommandons donc ce grand rendez-vous culturel à travers cette bande annonce. Le peuple Bafoussam, autour de son guide, Sa Majesté Dita Ngompé Pélé, célèbre la 456e édition de son festival Nyan Nyan, le plus long au monde. Du 11 novembre 2018 au 24 février 2019, vivez 3 mois d'intenses moments de promotion, d'exposition et d'exhibition du patrimoine naturel, culturel et culturel du peuple Foussam. Le festival Nyan Nyan, lieu de rassemblement des Bafoussam du Cameroun, de la diaspora, de leurs amis et alliés, inscrit à son programme 13 grandes danses traditionnelles, dont une par semaine, des rituels d'initiation de jeunes aux us et coutumes du village, une foire exposition des produits agro-pastoraux et artisanaux, mais aussi des excursions touristiques guidées sur site. La souscription des stands pour l'Onkomza, grande cérémonie de clôture, apothéose de l'événement est en cours. Plus de 50 000 visiteurs sont attendus. Festi Nyan Nyan, notre culture, ce qu'on a de plus cher. Rendons-nous à présent du côté de l'Afrique de l'Ouest et précisément au Burkina Faso pour parler du festival FESPACO 2019. C'est un événement qui est en pleine préparation du côté du Burkina Faso. On va donc préciser que le comité d'organisation est à pied d'œuvre et le défi à relever cette année est de donner bien évidemment la coloration qu'il faut à cet événement qui en est cette année à sa 50e édition. C'est donc un événement qui rassemble les grands acteurs du cinéma africain. Ils sont donc attendus
venus pour cet événement, les grands acteurs du cinéma africain et pour le comité d'organisation qui est à pied d'œuvre. Il faudrait mettre toutes les batteries en marche pour inviter la star du cinéma, à savoir la star Smith, Will Smith, qui est donc très attendu pour cet événement. Et du côté du comité d'organisation, on nous précise que tout est bien établi pour que les choses aillent dans le bon sens. Le festival, le FESPACO 2019 aura lieu du 23 février au 2 mars 2019 à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, pays des hommes intègres. Alors, on va maintenant donner la parole à la promotrice de Celebrate Day du FESPACO, Georgette Paré, qui certainement nous apporte quelques éléments édifiants sur les négociations déjà engagées depuis les préparatifs de cet événement. Il faut en noter que les grandes vedettes du cinéma sont attendues, et elle nous le confirme dans cet entretien qu'elle a bien voulu accorder à nos amis de Burkina 24 TV, et elle entre bien sûr dans quelques détails. C'est d'ailleurs une première que je sois associée comme ça à une tournée du FESPACO, et donc ça montre à quel point en tout cas le ministère, le FESPACO ont adhéré à l'idée. Et donc avant d'arriver à Paris, naturellement j'ai pris attache avec certains acteurs connus, notamment Eric Ebouané. On a un grand acteur à nous qui s'appelle Jackie Ido, qu'on ne connaît pas beaucoup au Burkina, mais qui joue avec le grand réalisateur, qui joue avec qui travaille avec Spike Lee, qui a des attaches aussi avec Will Smith, et voilà. Donc et malheureusement au pays on ne le connaît pas, donc je l'ai rencontré, il est venu me voir à l'hôtel. On a beaucoup échangé. Alors, il y a déjà Sidiki Bakaba. Lui, Sidiki Bakaba, lui, il sera l'invité d'honneur, justement, de toutes ces célébrités-là. Ben, Omar Sy, on est sur ses traces. Hein. Mais je n'ai pas pu le rencontrer, mais j'ai rencontré quelqu'un qui le connaît et qui doit également prendre attache avec lui. Là. Et puis, les Aïssa Maïda, ils étaient présents à la conférence. Voilà, donc j'ai tout fait pour que au moins le maximum d'acteurs africains de la diaspora puissent être informés justement de cette conférence et prendre part, et également qu'ils soient vraiment informés de ce qui va se passer pendant ce cinquantenaire du FESPACO. Voilà, avant donc la suite de ce numéro d'Afrique Culture sur 15 médias, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau une dame de charme qui est donc promotrice d'un événement qui va se dérouler dans quelques semaines aux États-Unis, précisément à Washington. Elle s'appelle Claire Tientieu. Elle organise donc une soirée dédiée aux femmes, la soirée baptisée de Lady Night. C'est un événement qui aura lieu le samedi 9 mars 2019 à Washington aux États-Unis. Claire Tientieu, bonsoir. Bonsoir, Safia. Et merci de reprendre notre invitation. Alors, vous êtes là ce soir parce que vous organisez un événement qui est très attendu par les femmes. Journée internationale de la femme oblige aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui vous motive à organiser une telle soirée à Washington? Safi, tu sais, je suis d'abord une femme. Ouais. À ma qualité de femme, à ma condition de femme, j'ai vu que les femmes à Washington on ne célébrait vraiment pas la femme. Mmh. Alors, c'est un projet que j'ai longtemps mûri et je me suis dit pourquoi pas organiser une soirée comme ça pour les femmes à Washington. Le but, c'est de sortir les femmes du stress. Oui, c'est de sortir les femmes du stress, c'est de célébrer la femme, c'est de montrer que les valeurs, ce que valent les femmes. Parce que nous devons célébrer la femme dans sa globalité. Alors, célébrer les femmes dans sa globalité, c'est quoi exactement? Montrer qu'on sait s'habiller, montrer qu'on sait préparer, montrer qu'on sait débattre avec les hommes aussi, ou bien toucher tous les sujets d'actualité? Non, nous allons toucher les sujets qui concernent vraiment les femmes. Mmh. Nous allons tenir, il y aura des conférences où nous traiterons des sujets concernant les femmes et nous invitons les hommes à venir pour qu'ensemble nous célébrons la femme. Vous sollicitez les nous hommes. Nous voulons célébrer la femme vertueuse, la femme entreprenante, la femme mère au foyer. Yeah. Et la femme dans sa globalité. Mais ça ne veut pas dire que nous ne tenons pas compte des femmes qui souffrent. Nous devons penser à nos mamans qui souffrent en accouchant sur les tables à l'hôpital. Nous devons penser à ces mamans-là qui meurent sur les champs de tir. Mmh. Donc nous célébrons la femme dans sa globalité. Tout à fait. Alors une journée comme celle-là, quel est le sens qu'elle a pour vous, les femmes? Est-ce que vous vous sentez davantage honorée? Est-ce que vous vous sentez impliquée dans la gestion des affaires de la cité dans tous les sens? Oui, la femme est vraiment impliquée dans les affaires de la cité. C'est la raison pour laquelle les femmes veulent se faire
entendre. Tout à fait. Nous voulons que notre voix aussi soit comprise, ouais. Qu'on sache que la femme est là et que la femme contribue. Alors, en sa manière. Le 9 mars ? Oui, le 9 mars. C'est déterminant pour vous ? Oui. C'est la première édition. Alors, vous pensez que les femmes vont véritablement s'impliquer à cet événement ? Oui, les femmes vont. J'ai beaucoup de coups de fil. Mmh. Les femmes sont vraiment engagées à cet événement. Déterminées à faire entendre leur voix. Oui. Alors, on a souvent pensé que des événements comme ce que vous organisez, c'est pour festoyer, c'est pour danser, et après, basta, c'est terminé. Nous avons un projet. Nous avons un projet. Nous pensons à ce que nous avons laissé derrière. Tout à fait. Déjà que dernièrement, j'ai fait un voyage au Cameroun, ouais. Et j'ai vu de près ce que vivent nos mamans, mmh. Ce que vivent nos sœurs, mmh. Ce que vivent nos tantes, mmh. Ce que vivent nos grands-parents, mmh. C'était vraiment touchant. Tout à fait. Par exemple, dans la situation au nord-ouest et au sud-ouest, ouais. J'ai rencontré des femmes, mmh. Qui ont fui cette région et qu'elles parlent de leur témoignage, qu'elles parlent de ce qu'elles ont vécu. Mmh. Vraiment, ça m'a galvanisé. Tout à fait. Ça m'a dit que Claire, vous devez vraiment poursuivre votre projet. Parce fait. Que au sorti de cette soirée, nous devons aller au Cameroun. Rendre, parce que je les ai promis, j'ai promis à cette maman, à cette dame, que nous reviendrons les voir. Tout à fait. Donc à la fin, au soir de cette soirée, nous programmerons un voyage où nous irons au Cameroun, vraiment rendre hommage à ces femmes. Alors, vous l'annoncez comme ça en grande pompe, le samedi 9 mars, est une soirée déterminante pour vous. Et on sait quand même que beaucoup de femmes ont traversé de nombreuses difficultés, pas seulement au Cameroun, mais si on prend le cas spécifique du Cameroun, on sait quand même qu'il y a des mamans qui ont vu leurs enfants tués, portant leurs enfants au dos, elles ont été tuées, les enfants ont été tués, les mamans également. On sait qu'il y a des femmes qui sont mortes, n'est-ce pas, au moment où elles voulaient accoucher. On a vu des femmes qui ont été opérées en plein air et qui sont décédées. On a vu des enfants, des femmes qui ont perdu, n'est-ce pas, leur bébé dans les hôpitaux au niveau du Cameroun. Alors, vous, qu'est-ce que vous voulez exactement présenter? Seulement rendre hommage ou alors venir en soutien moral à ces femmes? Oui, c'est ce que je l'ai dit tantôt. Quand nous on a vu, quand toi en tant que moi en tant qu'une femme, mmh. Quand j'ai vu ce qui se passe dans mon pays, parce que je tiens d'abord à rappeler que la journée internationale de la femme n'est pas que pour les Camerounais. Tout à fait. C'est pour les femmes sur le plan international. Tout à fait. Mais pour ce qui concerne le Cameroun, il y a actuellement au Cameroun, ça ne va pas. Mmh. Et puis les femmes souffrent beaucoup au Cameroun. Mmh. Quand nous avons vu tous à la télé, sur les réseaux sociaux, comment Monique Omateke est morte, c'était vraiment touchant. Et je me suis dit que, bon, à un moment donné, il faut bien que les voix, nos voix soient entendues. Et il faudrait pas qu'on parle seulement, il faudrait qu'on passe à l'action. Ouais. Dans cette soirée, c'est pour rendre hommage. Par exemple, même à Monique Omateke qui est morte, c'est pour faire Chatou qui a perdu son bébé. Voilà. Oui, parce qu'en tant que femme, et toutes ces femmes qui meurent, parce que j'ai rencontré une dame qui avait fui Kumba en particulier, et qui me dit des conditions dans lesquelles elle vivait là-bas, c'était vraiment déplorable. Tout à fait. Donc, avec tout ça, on ne peut pas rester les bras croisés. On va essayer de faire cette soirée pour réunir un peu les fonds et voir dans quelle mesure on pourra venir en aide à ces femmes, au pays, au Cameroun en particulier, qui en ont besoin en ce moment, plus que partout d'ailleurs. Voilà, vous avez fêté cet événement dans la douleur, c'est un peu triste, mais on fera l'effort de mettre un peu de gaieté dans vos cœurs, parce qu'en fait, on va célébrer la femme, lui rendre hommage également. Donc, nous invitons les femmes à être massivement là pour célébrer cette édition 2019 de la Journée internationale de la femme, ici aux États-Unis, à Washington précisément, avec bien évidemment Claire Tientieu, qui sera aux commandes pour cette soirée baptisée de Lady Night. Alors, c'est une soirée qui va certainement entrer dans l'histoire, parce que c'est la première édition que vous organisez ici. Alors, vous avez dit qu'elle ne concerne pas cette soirée seulement les femmes camerounaises, ce sont les femmes africaines, les femmes du monde aussi. Alors, elles sont là nombreuses à venir. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire au cours de cette soirée à travers 15 médias pour qu'elles puissent être là massivement et qu'elles prennent vraiment en considération la problématique opposée pour cette soirée? Vous savez, dans un pays comme les États-Unis où nous vivons, les femmes travaillent très dur. Mmh. La femme est en même temps mère au foyer, mmh. Elle est en même temps chef d'entreprise, elle est en même temps... La femme est le moteur, la femme est le début de toute chose. Donc c'est une soirée d'abord de divertissement et ce soir-là, il y aura des femmes qui vont tenir, qui présenteront des speeches qui vont un peu impacter la vie de toute cette femme. Bien évidemment, on va danser,
on va boire, on va s'amuser parce que c'est un jour où on va chasser le stress. J'ai envie de vous poser la question avant que vous n'arriviez à chasser le stress ce jour-là. Est-ce qu'il y a un dress code précis pour cet événement? Parce qu'on sait que généralement, ailleurs, ce sont des tenues. C'est précisément au Cameroun qu'on voit ça, mais ailleurs, il y a des tenues. Est-ce qu'on va porter des tenues ce jour-là? Non, cette édition, il n'y aura pas de tenue. Vous savez, pour ce qui concerne le Cameroun, c'est le dress code, c'est chic et glamour. Mmh. Donc les femmes doivent être vraiment sapées comme jamais. Et puis, pour ce qui concerne le Cameroun, c'est les femmes qui veulent pourront s'habiller en noir si elles le veulent. Tout mais nous n'avons pas un code particulier pour les femmes. Parce que c'est une soirée qui concerne toutes les femmes. Parce que c'est pour ça qu'on parle de journée internationale. On dans le pain, il n'y a pas le pain. Il n'y aura pas de pain de 8 mars à cette soirée. Si une se présente, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, vous ne pouvez pas, quand on va faire passer le message. Tout à fait. On va faire passer le message. Mais les femmes sauront. Nous, on dit le pain du 8 mars n'est pas accepté à cette soirée. Tout à fait. Mmh. Alors, Claire Tientieu, dans quelles conditions préparez-vous cette édition, cette première édition de la soirée baptisée de Lady Night? Vous savez, la première édition, ce n'est pas facile, c'est comme un bébé qui va naître. Tout le monde l'attend, on veut voir sa couleur, on veut voir, mais vous savez, les femmes ne font pas dans la dentelle. Mmh. Ce sera une soirée chic, glamour et vraiment spécial. L'accouchement sera pour pas vous difficile. Les dames. Non, ce sera un accouchement facile, ce sera pas la césarienne. Voilà, on espère bien. Alors, on va certainement passer une soirée agréable. Alors, maintenant, vous êtes à quel niveau le préparatif? Parce que nous sommes à quelques semaines de l'événement. Les préparatifs vont bon train. Mmh. Les gens sont en train, les billets sont en train de se vendre comme les types 1. Tout à fait. Donc, pour celles qui sont encore en train d'hésiter, et puis, comme je le disais tantôt, vous devez venir avec vos maris parce que ce sont les maris qui vont nous célébrer. Appelez et prenez vos tickets, vous ne serez pas déçus. Nous luttons tous pour la même cause. Allez, on va tout simplement retenir que derrière un grand homme se cache une grande femme. Et je pense qu'on va aussi faire l'inverse. Hein. Derrière une grande femme se cache un grand homme. Donc les hommes, vous êtes attendus à cette cérémonie, à cet événement. Venez donc soutenir Claire Tientieu et toute son équipe qui organise cette première édition de la soirée baptisée de Lady Night pour rendre hommage aux femmes qui, n'est-ce pas, traversent des difficultés en Afrique et partout dans le monde. Et on a pris le cas spécifique du Cameroun parce que il y a des situations déplorables que l'on vit là-bas avec des femmes qui perdent leur bébé au dos, qui sont tirées dessus par des hommes armés. On a également des femmes qui meurent à l'hôpital alors qu'elles venaient certainement pour des soins et qu'elles voulaient accoucher. On a également des jeunes filles qui perdent leurs enfants dans des conditions parfois difficiles à expliquer au niveau du Cameroun. Donc, c'est tout cela qu'on mettra dans un panier pour rendre hommage à la femme africaine et à la femme du monde, de toute façon, pour que ces événements ne se répètent plus. Alors, Claire Tientieu, on va certainement poursuivre, mais avant de revenir à vous, parce qu'on va parler tout à l'heure des conditions d'accès à cette soirée et de qu'est-ce qui veut, de comment est-ce que cette soirée sera organisée. Dans le temps de vous donner encore quelques faits marquants de l'actualité africaine, on va donc parler du festival CEFA 2019. Cet événement qui aura lieu du 16 au 27 avril 2019, organisé bien sûr par Gondwana City, ce sera bien sûr du côté de la France. Il faut donc préciser que cet événement est organisé par Maman et qui verra bien sûr la participation de Gourou Michel de la Côte d'Ivoire, d'Igbe Klaba de la Côte d'Ivoire et bien d'autres comédiens qui seront là pour rehausser l'éclat de cette édition du festival baptisé CEFA 2019. Objectif, chasser le stress par le rire. Alors, confirmation de l'événement à travers cette bande-annonce qui verra certainement intervenir les différents acteurs de cette édition 2019 du festival baptisé CEFA. Allez, on va donc parler d'une autre actualité culturelle qui va se passer ici aux États-Unis. Bref, c'est un événement à caractère socio-culturel. Il s'agit du fonds Raising Gala Night qu'organise la communauté Bantoum des États-Unis. Ce sera bien sûr le 27 avril 2019 au Capitol City Hall of Distinction. C'est donc à Washington DC. Voici donc l'adresse 1251 Saratoga Avenue, Washington DC. J'allais dire Washington DC 20018. C'est bien sûr à travers tous ces coordonnées qui vont vous permettre d'arriver au lieu de l'événement de samedi 27 avril 2019, retenez-le. But visé, collecter des fonds pour installer des points d'eau à Bantoum. C'est une localité située dans le département d'Yaoundé, région de l'Ouest Cameroun. Pour prendre part à cette soirée de fonds Raising Gala Night le samedi 27 avril 2019,
19, vous devez dépenser les montants suivants. Ticket régulier, $50. Ticket VIP, $75. Et si vous voulez prendre une table simple de 10 personnes, vous allez payer le montant de $500. Et si vous voulez une table VIP de 10 personnes, vous paierez $750. Alors, pour les contacts, appelez tout simplement les numéros suivants. 571-575-1034-571-575-1034. Autre numéro à retenir, 240-505-57-54. Allez, voici donc le message du président du comité d'organisation de cette soirée baptisée Gala Fundraising Gala Night. Il s'appelle Umaro Maleteke et s'exprime au micro de Kems Media. Ladies and gentlemen, the Banting Community in the Washington DC metropolitan area organizing a fundraising gala for the water project in this locality. As I earlier mentioned, water is life. The population of this locality lack potable water. That's why we have decided to organize this fundraising to raise the fund that we need in order to provide potable water to this community. We are calling on all of you in the DMV area to come out massively to support this project. And when is 27th of April 2019, Capital City Hall of Distinction, one of the best halls in the DMV. The address is 1251 Saratoga Avenue, Washington, D.C. Please don't miss. Come. You come and you're going to have fun that night. Thank you very much. Voilà, Claire Tinture, je reviens à vous pour la suite de cette édition d'Afrique Culture sur 15 médias. C'est donc le 16e numéro. On va donc parler de cette soirée que vous organisez le samedi 9 mars 2019 pour rendre hommage à la femme. Alors maintenant que vous avez essayé de nous orienter sur les contours de cette soirée, si une femme ou alors un couple veut prendre part à cette soirée, qu'est-ce qu'il faut concrètement remplir comme condition? Mais si un couple veut prendre part à cette soirée, ils doivent tout simplement appeler les numéros sur les flyers. Mmh. Ils peuvent appeler le 240-838-9800. Mmh. Ils peuvent appeler le 202-460-1820. Mmh. Ils peuvent appeler aussi le 301-442-2952. Alors, l'événement aura lieu où exactement? L'événement aura lieu à l'adresse suivante, c'est 1251 Saratoga Avenue Nord-Est, Washington, D.C. Mm. Et nous avons trois catégories de billets. Tout à fait. Nous avons des billets VIP, que nous avons baptisés même les billets Maison Blanche. Tout à fait. Avec des traitements présidentiels. Mm. Le protocole, il est présidentiel aussi. Ouais. Nous avons des billets de $75 que nous avons baptisés des billets le Capitole. Ces loges-là sont appelées Capitole, avec le protocole sénatorial. Et nous avons des billets de $50 que nous avons baptisés musée. Et ils seront traités comme des gens qui viennent visiter quelque chose de... Ce sera vraiment un traitement spécial. Tout à fait. Et tout ceci, ce sera accompagné d'un buffet. Un buffet. Alors, je ne vous le fais pas dire. Venez découvrir. Voilà, c'est donc une soirée à laquelle les femmes, les hommes aussi sont invités. Donc ne ratez pas cet événement qui rassemble, cet événement fédérateur, cet événement qui permet bien sûr de mener une réflexion sur l'avenir de la femme et surtout de résoudre les problèmes que traversent les femmes. En fait, la femme est considérée comme la mère de l'humanité et c'est à travers elle que nous sommes d'ailleurs dans le monde, dans ce monde. Et c'est à travers elle que nous avons vu le jour. Donc, rendons hommage à la femme. Venons, allons nombreux célébrer ces femmes le samedi 9 mars 2019. Alors, c'est à quelle heure l'événement? Oh, l'événement commencera à 20h et ça finira à 3h. Et nous invitons vraiment les hommes à venir massivement parce que ce sont les hommes qui doivent nous célébrer. Tout à fait. Nous avons beaucoup fait pour vous. Donc, il est temps pour vous de venir rendre hommage à vos femmes, à vos sœurs, à vos tantes, à vos grands-mères, à vos petites filles, à tout le monde, à vos copines, pourquoi pas. Nous vous attendons.
le traitement il sera spécial. Tout à fait. Alors, vous parliez de danse tout à l'heure, comment ça va se passer au niveau du protocole, la soirée, de manière globale, qu'est-ce qu'on aura au menu? Non mais nous ne pouvons pas tout dévoiler ici, mais je vous promets ce sera une soirée red carpet. Tout à fait. Red carpet. Dress to impress. Donc, parce que les femmes, tu sais, il ne faut pas prendre les femmes à la légère. Hein. Tout à fait. Les femmes, c'est quelque chose. On cajole les femmes, on chouchoute les femmes. Mm. C'est l'occasion pour vous de venir montrer combien vous nous aimez, nous les femmes, nous qui vous avons mis au monde. Alors, nous invitons tous nos maris, tous nos frères, tous nos connaissances, nos oncles, tout le monde de venir célébrer la femme. C'est une soirée pour la femme. Célébrons la femme. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout de ce qui se passe. Comme je le disais tantôt, les sommes collectées ce soir-là, c'est pour aller aider ces femmes-là qui souffrent, ces femmes-là qui meurent en accouchant. Parce qu'aucune femme ne devrait mourir en accouchant. Aucune femme ne devait être tirée dessus quand elle participe à une marche pacifique. Tout à fait. Aucune femme ne devait être battue. C'est ça notre combat. C'est ça ce que CityPro combat. Tout à fait. Alors, je recommande une seule chose aux hommes, ne tabassez pas vos femmes à la maison. Allez, amenez-les le soir pour résoudre les problèmes, embrassez-les, cajolez-les. Et je pense qu'au cours de cette soirée, il y aura pas mal de réconciliation. Les femmes et les hommes vont se mettre ensemble autour d'une table, autour d'un plateau, pour débattre des questions aussi sérieuses et importantes. Et surtout que notre thème, c'est amour et surtout respect des droits de la femme. Oh là là, ça c'est super. Amour et respect des droits de la femme. Allez, ne ratez pas cette merveilleuse occasion. Alors tiens, on va se séparer dans quelques instants. Votre dernier message à l'endroit de tous ceux qui sont appelés à venir vous soutenir dans cette soirée. Vous regardez la caméra et vous parlez à ces gens. Bien, très chers frères et sœurs, je vous invite à ne pas manquer cette occasion de marquer un point pour soutenir la femme. Nous les femmes, nous avons besoin de soutien. La femme camerounaise, la femme togolaise, la femme ivoirienne, la femme américaine, la femme dans sa globalité. Nous avons besoin de faire entendre notre voix. Cette soirée, c'est une occasion pour nous de nous retrouver tous ensemble autour d'une table pour discuter des problèmes qui concernent les femmes. Alors, appelez le 240-838-9800 pour vos tickets, ou vous appelez le 202-460-1820 ou le 301-442-2952 et vous ne regretterez pas d'avoir fait partie de cette aventure, cette nouvelle aventure. Je vous précise, c'est une première édition, comme je le disais tantôt, comme un bébé. Pour la première fois, c'est difficile, mais après, on vous le fera pas dire. Voilà, allez, rendez-vous le samedi 9 mars 2019 à 20h, au lieu dit Saratoga Avenue. Saratoga Avenue, voilà, Nord-Est. Voilà, c'est à Washington D.C. D.C., voilà. Une très belle salle d'ailleurs. Tout à fait, donc on ira célébrer la femme, rendre hommage à la femme, et on ira célébrer aussi l'amour, pourquoi pas, donc, et respecter les droits des femmes. Allez les hommes, ne ratez pas le rendez-vous, je serai là, j'espère que vous serez également là les femmes. Alors, soyons là nombreux pour vivre ce moment. Alors, une chose à retenir, pas de tenue du 8 mars pour la circonstance. Habillez-vous convenablement, venez célébrer ce moment. Il y aura des discours, de bons discours, parole sera de nos femmes. Claire, vous voulez boucler avec... Oui, je voulais dire que pas de pagne du 8 mars, mais vous pouvez mettre d'autres pagnes ou d'autres gants, ce qu'on voulait, mais pourvu que ce ne soit pas le pagne du 8 mars, mais le dress code, dress to impress, chic and glamour. Allez, soyez chic, c'est une soirée glamour à laquelle vous êtes conviés. Merci Claire Tientier de venir nous édifier sur les contours de cette soirée. On vous souhaite beaucoup de courage et que la fête soit belle. Déjà, bonne fête à toutes les femmes et on espère que le 14 février aussi, on va célébrer l'amour ensemble. Tout à fait. Merci. Allez, c'est donc terminé pour ce numéro d'Africulture, le 16e sur votre chaîne de télévision africaine sur YouTube, basée à Washington aux États-Unis. Alors, pour tous vos événements, n'hésitez pas à nous contacter pour les différentes communications. Nous vous aiderons bien évidemment à promouvoir vos événements. C'est donc la vitrine de la culture africaine, 15 médias. Africulture, c'est donc terminé. Rendez-vous numéro. Salut, au revoir.